Yeah, salut à tous les amis, c'est Glogloa71. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle map de saut en fait. Cette fois-ci, pour continuer dans la lignée d'une compilation de maps que Minecraft.fr avait fait, on va s'attaquer à la map Ghetto Parkour, donc créée par Mickey, donc M-I-K-E-E. Normalement c'est Mickey si vous voulez en français, mais bon, j'imagine que ça va se prononcer à l'anglaise, donc Mickey. Juste pour petite info, faut jouer en peaceful d'ailleurs. Voilà, peaceful, c'est fait. On pourra mettre too many times pour utiliser les checkpoints et autres. Donc, là, il y a un lit. Je joue, pour ceux que ça intéresse, avec le pack Mixcraft qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, je tapais Mixcraft tout simplement sur Google. Hein. Peut-être que je mettrai un lien dans la description, c'est pas sûr. Ou alors, vous apprendrez à vous débrouiller tout seul. Donc, comme je fais très souvent, ces maps-là sont souvent quand j'ai quelque chose à... Soit parce que je sais pas trop quoi faire, soit parce que j'ai une info à faire passer. C'est un petit peu ça que je vais faire aujourd'hui rapidement, histoire de mettre quelque chose au point. Donc on commence. Ton welcome to custom map, bienvenue sur une map créée qui s'appelle Ghetto. Votre objectif est de s'échapper de ce ghetto. Prenez du plaisir à le faire, en gros. Et maintenant, avec une grosse mise à jour, apparemment, ce que j'ai cru comprendre. Donc les règles, ne pas casser de blocs, ne pas en placer... Ah, on peut casser les trucs d'araignée là. Mais bon, vu le temps que ça prend, c'est peut-être pas une bonne idée. Je vais baisser un peu le son. Excusez, voilà. Please don't jump to the fence. Fence. Alors, deux secondes, parce qu'en même temps, comme j'ai tout mon item, j'ai en profité. Liane, merde, y'a pas la traduction. Je crois que c'est les lianes en fait, faut pas grimper. Ne pas utiliser de cheat. Ah bah c'est too many items, c'est pas le droit. Ouais, mais j'utiliserai juste pour remettre le jour. Je sais pas si... D'ailleurs, ça la pluie, ça me saoule. Ne pas utiliser de mode pour voler. Use easy or medium if you play good at parkour. Ça j'ai pas compris, on s'en fout, on va commencer. Donc qu'y a-t-il dans ce coffre? Il y a... ça vous stresse, hein. Le truc qui clignote, hein. Je suis trop con, bon allez. Je sais pas, censé faire une forme, ça peut être le pain, je sais pas, des fois il s'éclate à faire ça sur les maps. Je vais pas prendre tout le pain, je vais en prendre que 3. Par contre, je vais prendre les bottes en or, ça c'est intéressant. Parce que comme à tous les coups, je risque de crever, bah j'aurai quelque chose ici. Les bottes en or qui n'apportent absolument rien, entre autres. Ok, on est ready. Bon bah voilà, une map de saut. Je devrais m'éclater normalement. Ça m'a l'air bien joli et je suis déjà coincé dans ce moment. Hop, par là. Donc ils disent que pour la durée c'est environ 10 à 20 minutes pour un intermédiaire. Je me considère comme un intermédiaire, enfin un petit peu plus, hein, sans trop de prétention on va dire. Hop, d'accord, c'est ça. Je sais pas, oh merde, j'ai pas regardé, on n'a pas le droit d'éteindre le feu non plus. Non, j'ai pas du tout regardé, mais je sais pas en fait. Ou alors on va... On est des fous, on passe à travers le feu, on est des ouf. En fait, ouais, je sais pas s'il y a le droit de grimper dessus. Merde, fence, excusez-moi, je sais plus du tout ce que c'est, mais je crois que c'est ça. Oula, il y a des bugs de map là, un peu. Ok. Par où passer? Là, il y a une porte. Ok. Toilette. Ah, secret 2 sur 5. Ouais, j'ai un lingot d'or. Bon, en attendant, on va continuer gentiment la map et je vais vous parler de ce que je voulais qu'on parle. C'est-à-dire des vacances en fait, de ce qui se passe un petit peu en ce moment. Là il faut savoir que l'épisode 42 en fait, avant je publiais des bulletins, donc faut penser bien à les regarder. Où j'expliquais en fait que ouais la vidéo sortira mais que... la vidéo sortira mais il n'y en aura pas d'autres dans 3-4 jours parce que j'ai pas eu de connexion internet. Et en fait il y a eu un problème avec la mise en ligne de la vidéo. Et résultat, bah vous avez pas eu de news les nerfs pendant plus d'une semaine, donc je suis vraiment désolé. Oh cool, il n'est pas en bois. Bah ça c'est dû en fait, je suis parti vraiment pendant 4-5 jours, j'avais pas accès à internet, donc je savais même pas que vous avez rien. Alors des calculs à la con. 2 plus 2 égale 4. Oh putain, les vérités mathématiques. 2 fois 1 égale 2. 5 plus 3 égale 8. Eh mais ce mec c'est un mathématicien de ouf hein. C'est peut-être que c'est une salle de classe aussi. Ouais, ça doit être ça à mon avis. J'ai juste de tilter en fait, mais c'est pas grave. Donc on avance, donc ouais je disais des vacances comme ça, en plus moi j'ai vraiment beaucoup de chance cette année, je vais partir beaucoup en fait, je vais faire plein de petits voyages et tout. Bon c'est pas d'énormes voyages chaque fois, mais c'est une petite semaine par-ci par-là, donc je suis vraiment content, je peux faire plein de petits trucs. Et non c'est pas par là.
Et donc si vous voulez, bon, enfin là le voyage que j'ai fait, voilà, je vais y arriver. Et il est vraiment été organisé, si vous voulez, au dernier moment. Donc j'ai pas pu prendre de l'avance sur mes vidéos et vous en mettre assez couramment. Bon, c'est pas grave, c'était 3-4 jours. La semaine prochaine, j'ai de la chance, je repars encore. Ne vous en faites pas, là justement, je prends de l'avance pour pouvoir quand même vous proposer des vidéos. Tiens, on vient de zombies. De vous proposer des vidéos que vous restez pas en rade. Normalement vous aurez enfin normalement oui vous aurez ce qu'il faut et tout. J'espère, hein, c'est comme d'habitude, c'est ce que je fais, mais en cas d'imprévu, comme comme vous avez pu le voir ici en exemple, bah, ça peut arriver que y a des problèmes et que ça marche pas trop. Mais normalement ouais, vous aurez ce qu'il faut. Je vais essayer de sortir un petit peu plus au New Millénaire justement parce que vous êtes resté un petit moment. Pareil pour le clip là, le petit truc que j'avais fait, je vais essayer d'en sortir un autre où j'ai déjà une bonne idée de quoi faire, mais le problème c'est qu'il va falloir m'y lancer et trouver un peu de temps pour le faire. Donc, je sais pas du tout quand est-ce que je pourrais vous le proposer. J'en proposerai un, mais je sais pas quand. C'est vraiment ça. Sinon dans la map là, j'avance bien en fait. Hop. Faut sauter ou pas? Bon allez, on va dire que oui. Boum. Hello. Tiens, j'ai envie de péter ça juste pour le fun en fait. Je ramasse des fils. Oh mon dieu. Ok. Hop. Et merde. Faille numéro 1. Ok, bah c'était dommage, c'était bien joué. Tiens, on va faire un truc histoire de donner un petit peu mieux à chaque fois. En fait, je sais pas du tout jouer comme ça, mais il y en a qui le font sur certaines maps de saut et je trouve que ça donne trop bien. Et merde, voilà. Par contre, le problème avec ça, c'est comme j'ai pas du tout l'habitude de jouer avec ce champ de vision. Bah, si vous voulez, j'ai trop du mal à évaluer les distances, donc je sais jamais où et quand sauter. Bon, bah, j'essaye, ça sera voilà, juste les sauts pour le fun. Merde, ouais, bah, d'accord, on va retourner à la normale, on va pas faire notre imbécile là. Hop, c'est dommage, ça donne très très impressionnant sur certaines. Enfin, sur les maps de saut comme ça, mais. Faut avoir l'habitude, je pense, de jouer un peu avec. Regardez ça, comment j'enchaîne, j'allais dire, mais non, pas du tout. Oh putain, j'en ai marre. Je suis resté bloqué ici. Ouais, voilà. Donc une fois de plus, les maps sourds, je vois à chaque fois, ça vous plaît. Donc bah, je me dis, bah pourquoi pas vous en refaire de temps en temps. Je ferai pas que de ça non plus. Oh, j'ai géré là. Donc vraiment, là, je vais être basé sur un petit moment sur une millénaire. Hop. Tac 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 tac, on va essayer de se concentrer un peu plus sur la map. Merde. Dommage, t'as bien essayé. Bravo Gloglois, j'en profite toujours pour dire, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sur la vidéo, hein. Vraiment moi j'aime bien voir que quand je me lance des petits projets comme là les maps de saut, ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre un j'aime. Ça me fait surtout extrêmement plaisir, hein. Je vois qu'en ce moment on atteint des nombres de j'aime tout simplement. Magnifique, et moi ça me fait super plaisir quand je vois 15-20 j'aime, c'est super. D'ailleurs, ma vidéo, le clip Diamond's Day qui est sorti il y a pas longtemps, je suis à 31 j'aime, je crois, en ce moment. C'est un truc juste énorme, jamais j'aurais cru pouvoir arriver aussi loin, aussi vite, surtout en fait, parce que c'était vraiment le premier court métrage bien travaillé. Bah, vous voyez, je vois que ça rapporte un petit peu et que bah, c'est du travail, mais que les gens aiment bien. Hop, ah putain, je suis coincé à cet endroit là, ça me saoule. Donc voilà, après vous pouvez carrément mettre favori, moi ça me fait encore plus plaisir vraiment quand je vois des personnes qui ajoutent des favoris. Je vois de toute façon, j'ai quelques données et tout sur la chaîne, des personnes qui ajoutent vraiment la vidéo favori, ça me fait toujours super plaisir de voir ça. Hop, ah d'accord, j'en monte là direct. Hop, là, voilà, qu'est-ce que je peux continuer à dire? Oui, bah vous abonnez-vous hein, si ce n'est déjà fait, hein. Ça je peux... Je suis obligé de le répéter à chaque fois dans toutes les vidéos parce que ça aussi c'est une façon de me remercier du travail que je fournis pour vous. Ouais, donc là je me reconcentre sur la map. Je suis désolé, j'essaye d'alterner les deux. Bon, ça doit pas être par là parce que ça va faire 5 fois que je saute et que je me loupe. On va essayer de faire gentiment le tour. Parce que ça se trouve, je me rends compte que c'était pas du tout là. Et voilà. Oh, un gâteau! Un gâteau! Un gâteau! Un gâteau! Un gâteau! Un gâteau! Nous sommes dans un ghetto, je viens de trouver un gâteau. Ne cherchez pas la logique, il n'y en a pas. Et en fait, oui, ça avait carrément rien à voir en fait. Hein. Vraiment inutile. Bref. Donc, oui, il y a 5 secrets, je crois, 5 ou 6 secrets dans toute la carte. Là, j'en ai trouvé 2, mais bon, mon but n'est pas de les trouver. Mon but est donc à réussir à passer ça là. Sans déconner.
Qu'ai-je fait? Qu'ai-je fait? Allez! Mais c'est pas possible! Pourtant, un saut de 4, c'est simple. Je sprint, je saute. Allez, au dernier moment, quand même, faut pas déconner. On va regarder le sol. Attends, ouais, c'est peut-être pas très intelligent. Oh bah voilà. Ok, bon, c'est bon, j'ai géré. Ça le fait. Pas casser la gueule maintenant. Donc, bah, si tu casses la gueule maintenant, on va te taper dans les commentaires. Ouais, c'est bon. Bon, heureusement que ça me. M'arrête gentiment. Mais par contre, c'est limite chiant, Liliane, en fait. Parce que c'est bien mignon, il dit de pas les utiliser, mais tu regardes ce qu'on va faire. Maintenant, peut-être qu'en fait, il n'y avait pas le droit de faire ça, et ça faisait partie, mais. Non, j'imagine que si la mine ne pas les utiliser, c'est que je pense que c'était la mise à jour qui faisait qu'un. Il l'avait construit quand on pouvait toujours pas passer. Oh, du poisson grillé. Et donc maintenant ça marche et c'est pas cool. Donc je me permets d'en péter quelques-unes. Voilà, c'est tout. Steak cru. Bon, ça n'a aucune utilité parce que comme on joue en peaceful, excusez-moi, mais en peaceful la nourriture n'a aucune utilité. Je suis désolé. Putain, c'est là qu'il faut sauter là. C'est un truc de ouf. Non, casse-toi. Méchante. Hop. C'est chiant en fait les lianes. Et je me permets, ça se trouve y a pas le droit, j'arrête pas de le répéter, mais ça m'énerve. Non, putain, j'y étais. Glogloss fail. C'est bien en plus. Ça sonne bien, je trouve. Glogloss fail. Ça donne un petit côté marrant avec un accent pourri, c'est juste magique. Ici, Ray. Le cri de taille. Ok, on peut fermer ça, c'est bien. Il y a un lit, c'est bien. C'est quoi? C'est censé représenter quoi ça? Une chaise? Des chiottes? Oh, je sais pas. En tout cas, ça a été abandonné ou les toiles d'araignée. Enfin, j'aimerais pas croiser une araignée en fait dans cette ville parce que si elles font des toiles de 1 mètre sur 1 mètre, c'est pas que ça me fait pas trop confiance, mais j'ai un petit peu peur quand même. Et en attendant, j'ai vraiment peur parce que qu'est-ce que je fous là? Comment on sort de ce truc? Bah oui, merde. Alors là, dans le style abruti de première, on fait pas mieux. Comment on fait? Bah, tu suis le chemin. Merde, c'était là. Voilà. Non, c'est pas mal ça. Par contre, c'est une très bonne utilisation que j'avais jusqu'à ici. Je crois jamais vu dans une map de saut comme ça, les vitres de fin fine. En fait, on peut marcher dessus. Bah, pas au milieu. Normalement, si je vais là, je me casse la gueule. Non, même pas. C'est bon. C'est vraiment une très bonne utilisation, je crois que j'avais encore jamais vu ça, c'est vraiment une bonne idée. Hop. Hop, hop. Oh, c'est assez cool comme map parce que ça fait partie vraiment des maps que moi j'adore parce qu'on ne se perd pas. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit non plus, on a quand même l'impression d'être un minimum libre. Je le répète, mais vraiment les maps comme ça, moi j'adore quoi. Donc, hop. Et merde. Les passages comme ça, par contre, je les aime pas, on est d'accord. Ah, mais ça me fait chier là. Il y a un truc au-dessus de ma tête, mais il n'y a rien en plus. Voilà. Ah d'accord, c'est qu'il y a une échelle ici. Ok. Ok papy. On est ready. Hop. C'est quoi ça? De l'eau. Hier. Yeah. Trop fort. Oh, un labyrinthe. Bonjour. Non, c'est pas du tout un labyrinthe, c'est juste un chemin. Mais bon, j'aime bien. J'aime bien les labyrinthes. C'est trop chaud de s'y retrouver. Donc, moi j'aime bien. Alors, j'imagine qu'il va falloir grimper sur l'arbre ou une bêtise dans ce genre. Ah non, faut grimper là, ok. Ouais, vous voyez, n'empêche, je me perds pas, je suis content. Je pensais que j'allais me perdre comme une grosse merde. Oui, on peut le dire. Nya. Ouais, trop fort. Champion, champion. Et merde. Et grosse merde, bon, dommage. On peut pas tout avoir, hein, que voulez-vous. Et. C'est pas cool ça. Heureusement, n'empêche, j'ai bien fait de prendre ce pack. Je sais pas du tout, en fait, je me suis pas renseigné s'il y avait un pack de textures pour la map. Mais bon, j'ai pris celui-là, ce qui donne aussi très bien. Mais sinon, la glowstone, c'est moche. Sérieusement, si vous faites une map et que vous avez pas prévu de mettre un pack de textures avec, ne mettez pas de la glowstone avec le pack. Moi, je trouve que c'est laid. Enfin, c'est pas que c'est moche. Enfin, si, c'est moche en fait. Voilà, c'était l'instant très intelligent et très argumenté de Globlois71, on est d'accord? Non, mais moi je trouve pas ça très esthétique personnellement, enfin, c'est trop simple, trop brut, je dirais. Et merde, ah! Bon,
Bon, j'ai pas envie de me mettre vraiment régulier derrière mon PC, sinon on va mal le prendre derrière moi. Il y a personne, c'est pas grave. Mais je suis schizophrène en fait. Il y a la double partie de moi-même qui va se foutre de ma gueule. Donc je vais m'auto-croire pas bien et puis ça va pas être cool. C'est très compliqué, limite un peu trop complexe pour des humains normaux. Donc si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Sauf que les humains normaux, ils arrivent à faire au moins des sauts de merde comme ceux-là, mais bon. Ni, voilà. Oh, il faut absolument qu'un jour. Ouais, non, j'ai rien dit. Ouais, si, il faudrait que je fasse une map comme ça, mais à plusieurs, ça serait trop fun. Mais genre une course, je sais pas, peut-être avec vous, chers abonnés qui me suivez. Je sais pas, on fait une map tous ensemble, aventure, comme ça, bon, faudra un bon serveur qui tienne la route. Genre une dizaine de personnes, c'est le premier arrivé, ça serait marrant d'établir un classement. Bon, moi je courrais pas, sinon je vais me faire ridiculiser par la moitié d'entre vous, mais je pourrais faire genre le mec qui filme un peu tout en créatif et qui regarde comment tous les gens se cassent la gueule, ça pourrait être drôle hein, genre de faire ça. Mais comme à chaque fois je dis des trucs et je les fais presque jamais, ça va me faire chier. Bon, on va peut-être faire ça un jour hein, pendant les vacances, moi j'ai le temps toujours d'organiser des trucs comme ça. Ouais. Donc il est d'ailleurs possible que l'idée du projet où j'avais dit ouais vous pourrez peut-être chacun montrer votre serveur et tout. Enfin si vous voulez vous pourrez faire la pub de votre serveur, je pourrais venir le visiter et tout. Il est possible que ce projet vienne je dirais vers la mi-août. Que je sorte un petit truc là-dessus en vous expliquant un peu comment ça va marcher. Bon après une fois de plus je m'avance pas trop dans les dates mais il est possible ouais, que je lance ce projet mi-août peut-être pour la rentrée ensuite. Ça pourrait être assez sympa parce qu'après j'aurai plus trop le temps non plus et puis comme ça tout le monde repartira d'un bon train à la rentrée j'ai envie de dire hein. Même si on a qui s'arrête jamais de bosser mais... c'est pas mon cas on va dire. Moi je suis clean là dessus c'est pas putain voilà comment casser là une phrase en plein milieu hop non mais excusez j'étais à fond là vraiment j'avançais un truc de malade et puis bah j'allais dire quelque chose de drôle, voire même d'intéressant, qui sait, peut-être, ce serait une grande première. Et je me pète la gueule, bah, ça c'est pas cool. Pas cool, comment t'écris pas cool? Bah P-A-K-O-O-L, bien, pas cool. Non, non, en plus c'est même pas O-O-L, c'est O-U-L, avec un H à la fin. C'est comme ça que ça s'écrit pas cool. Si quelqu'un vous dit autre chose, c'est que c'est un menteur. Le mec sait pas écrire. J'espère que c'est clair. Voilà, tout le monde va me mettre dans les commentaires Glogoat et enfin, quand tu nous donnes des leçons de grammaire, c'est pas cool. Écris de la bonne façon, cela va de soi. J'hésite à tomber de ce comté parce que je sais pas du tout en fait. De ce comté, oui, bien sûr, bienvenue mon seigneur des anneaux, c'est la comté, monsieur. Non, non, c'est pas ça du tout. Top. Voilà, ok. Bon, je pense qu'on avance bien parce que ça va un petit peu mon jeu tourne et puis bah je me démerde pas trop mal. Que je sais pas du tout si c'est à la fin. Si, il y a un tunnel, j'imagine que ça va pas être loin à la fin.